Elle est où Malo là? Céline, mettez une fille dans chaque équipe. Eh, d'accord. Ouais, mais t'as plus le terrain. Ils peuvent aller là. Attendez la corde, parce que là, ça va. Décale un peu par là. Décalez-vous. Allez, décalez-vous, bordel. Salut, ça va? Salut, ça va les gars? Ça va? Salut. Ouais. Tu t'improvises pas tireur de cordes comme ça la veille pour le lendemain. C'est pas juste tirer une corde comme ça. Derrière, il y a une dimension où on veut évoluer, on veut se tirer vers le haut, on veut titiller les nations parce que c'est tout nouveau en fait en France, la pratique. 79-1, monte sur l'autre. C'est pas juste de tirer une corde comme ça, il y a toute une partie technique, endurance. Enfin, il y a un système quand même, une condition physique à avoir quoi. 59,2. Ouais, bravo les gars. Non, 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 hey, c'est pas l'officiel les gars. L'officiel est là-bas. C'est bon, ils vont pouvoir bien manger et bien boire ce soir. Enfin, modérément. La limite était à combien il y a pour les sous? La limite, 560. Ils sont à 559,20. Ça veut dire qu'ils restent dans la catégorie dans laquelle ils s'étaient inscrits et surtout qu'ils vont pouvoir... rester dans la catégorie qui est qualificative pour les championnats du monde. Et ça, c'est hyper important pour eux. 78,9. La pesée est faite. Si demain ils font plus, c'est pas grave quoi. La pesée, c'était ce soir. 92,7. Pour certains, ça fait plusieurs mois qu'ils ont un régime alimentaire pas normal pour eux, clairement. Donc là, à partir de ce soir, ils vont se lâcher, mais plutôt sur... l'alcool, ils vont pas trop se lâcher ce soir, quoi. Ce sera plutôt après la compète demain, il y aura la grosse fête. Mais là, ce soir, ça va être bien pour leur morale, je crois, surtout. On se pèse, on va dire, une fois par semaine, pour contrôler un minimum les poids de chacun, histoire qu'il n'y ait pas trop de dérives. On est au poids pour 700 grammes en moins sur 8, donc c'est que dalle, en fait. Donc non, ça demande vraiment un sacrifice. 74,6. Elle est bloquée à 74,6. Tu vas faire 74,6. Pas de surprise? Non, pas de surprise, c'est bon. Après une semaine de régime, c'est parfait. Elle n'est pas bloquée à 74. On a besoin de faire des gros championnats où il y ait beaucoup de monde pour que les gens ils se rendent compte en fait. L'idée, c'est que ça prenne au sein de l'ensemble de la France. Il faut pas avoir peur des carrures, hein. ça veut rien dire ça. Bon, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et si on peut finir premier, mais on est léger par rapport à d'autres équipes, donc on va voir ce que ça donne. Les Basques, ils sont habitués à tirer sur tapis, en chaussures et sur tapis. Sur l'herbe, ils sont pas trop habitués à tirer. Hein. Eh ben, moi, sur le tapis, je les mets gagnants, les Basques. Sur l'herbe, c'est la carte qui les gagne. Non. C'est pas sûr. En 680, pour vous, que en 680. Pas 640. Nous, notre équipe, elle est un peu trop légère, je pense. Et elle manque un peu d'expérience. Ah oui, Les jeunes. Non, les jeunes. Sur l'herbe. Les jeunes. C'est une reconstruction. Bah oui, mais l'équipe est nouvelle. L'équipe est nouvelle. Ouais. Très rapidement, on va essayer de commencer à 10h, pas après. Donc vers 10h moins le quart, on aura un petit discours officiel, une ouverture officielle sur le terrain. Donc vous serez tous dehors. Et petit détail, on a la chance pour la première fois d'avoir la télé. Alors on a un journaliste qui nous suit depuis hier et toute la journée. On passera en direct à la télévision,
sur Sport en France, qui est la chaîne du mouvement olympique, du CNOSF. On sera en direct de 16h à 17h55. Ça nous fait progresser en termes de prestige et c'est vraiment ce qu'on veut donner au tir à la corde. Ça ne changera rien pour vous, mais voilà, c'est important que tout le monde le sache. Encore lui ! Il aime ça la photo, hein ? Hé ! Recentrez-vous un peu par là, vous êtes gentil ? Allez, allez, on rappelle les enjeux. La gagne. On vise que la gagne. Alors, motivé à bloc. À fond ! À fond ! À fond ! Tout ce qu'on a appris à l'entraînement, on le met en pratique. Voilà. Et normalement, ça paye. Ça marche. Bon, vous vous rappelez des bases, hein ? Gainage, un coup sec au départ, les pieds 1-2. Bien planté. Bien planté. Restez bas sur la corde. Et on s'écoute. Bas, ouais. On s'écoute. Petit bas, synchro. Si celui de devant est mal placé, vous le replacez. Voilà. On corrige celui de devant. Chaque coup. Et on est patient. Vous le corrigez. On est patient. On essaye pas de tout arracher tout de suite. On parle entre nous et il faut qu'il y en ait un qui prenne le lead et on l'écoute. Nous, c'est Manou. Voilà. Et c'est lui qui fait lien avec le coach. Il n'y a que Manou qui parle. C'est tout. On est deux. Le premier aussi, il indique 20 cm, 40 cm. C'est ça qu'il a dit. C'est hyper important. Et on n'oublie pas, on croit pas qu'on a gagné tant que c'est pas sifflé. Non voilà. Plus. Et vous ne trompez pas de siffler. Voilà. On s'est fait avoir l'année dernière. Donc vigilance cette année. De toute façon, on lâchera la corde quand on sera tombé par terre. On doit mourir sur la corde. Hein. Exactement. Ouais. Et surtout. Plutôt deux fois qu'une. Surtout, très important, je veux pas en entendre un qui dit. Oh, j'en peux plus, je lâche la corde. Voilà. Il se tait et il reste même sur la corde. Même s'il peut plus tenir la corde, il reste sur la corde et il faut la tenir. T'inquiète pas, Johan n'est pas là. C'est dans la tête, hein, c'est dans la tête. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Lâcher la corde, ça signifie un petit peu la défaite. Et si tu. Individuellement, tu lâches la corde, ça va causer du problème à toute l'équipe. Parce que niveau moral, on sait que ça va baisser toute l'équipe. C'est pour ça qu'on a cet esprit de toujours se donner à fond. Et même si on est épuisé, on continue pour nous et pour les autres. On attrape ses doigts de pied. C'est pas parce que t'écoutes que tu peux venir. C'est bien là, on s'achauffe petit à petit. On va être au taquet quand ça va démarrer, c'est bien. Ah, c'est les bonnes sensations, ça glisse un peu quand même. Moins de ce côté-là, on l'a vu. Mais non, ça va. Des bonnes conditions, ça va être pas mal. Bah, sur le terrain d'entraînement, l'herbe est pas tondue, hein, c'est trop haut. Quoi. Ça glisse. Mais si le temps se maintient, ça va sécher vite, c'est bon. C'est un sport de force, mais c'est un sport un petit peu de réflexion. Comment je me positionne? Est-ce que là, c'est toujours de la remise en question dans le sport. Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que je fais ce qu'il faut au bon moment? Et de communication aussi avec toute l'équipe pour tirer en même temps, c'est vraiment indispensable. Allez Marceau, tranquille là. On respire. Essaye de t'asseoir un petit peu plus, si tu peux. Ouais, ouais. Ça, tu vois quand tu veux. Juste comme ça, tu restes comme ça. Allez, 1, 2 Ouais, comme ça. J'ai connu ça par mon papa en fait, il a fait un championnat du monde en Suède et je me suis dit ouais, pourquoi pas aller à l'entraînement, voir ce que c'est et tout. C'est vrai qu'en plus la dimension championnat du monde, c'était hyper intéressant. Du coup j'ai fait quelques entraînements et ça m'a plu direct quoi. Le côté collectif déjà, on est vraiment une équipe quoi. Et le fait de forcer ensemble, vraiment c'est... Enfin il y a quelque chose... Quand t'es sur le terrain et puis que... Enfin c'est physiquement, t'as tous tes muscles qui sont en tension. Et il y a une partie mentale qui rentre en jeu où il faut vraiment rien lâcher quoi. Et ça direct, moi j'ai adoré quoi. Ça demande beaucoup de cardio à un entraînement et il y a une partie technique et une symbiose en fait au sein de l'équipe. Il faut que les mecs ils forcent en même temps, sinon il se passe rien. Et ça vraiment, cette dimension qu'on a trouvée ici dans le club, franchement c'est top. Hein. On se connaît tous depuis au moins 10 ans minimum, enfin plus les petits nouveaux qui sont arrivés, là on est des équipes de jeunes et tout, c'est pas mal. Et ouais non, il y a la cohésion et puis moi c'est un vrai défouloir pour moi. On est rentré dans le pompage, j'en ai avancé, voilà. Fabrice, faut que tu gagnes plus, faut se baisser, faut que tu baisses plus. Faut pas couper, faut se baisser. On a le coup de pompe, ouais. Bon. On fait pas le coup de rein, mais on sait pas faire. Faut qu'on perde ta petite part. Tu ressens sur la corde, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Tu ressens si...
il y en a un derrière ou devant qui va se lever, hop, tu vas avoir tendance à être emmené. Enfin, et du coup, il faut vraiment retrouver la bonne position et stabiliser tout ça. Et la communication aussi. On communique vachement quand on est sur la corde. On a notre coach, certes, qui nous dit des conditions, mais nous, entre nous, derrière, on le sent. Et du coup, là, c'est vraiment à ce moment-là où soit on avance, on bloque, on maintient, on attend, on regarde ce qui se passe en face. Souvent, bah, là, c'est le premier qui y voit. Je pose mon cerveau avant une compétition, puis l'idée, c'est de rien lâcher, quoi. C'est vraiment mourir sur la corde, limite. Tu laisses rien passer, tu laisses rien transparaître, et tu vas au bout, toi. Faut que t'arraches les autres, t'as pas le choix. On s'est défendu comme on a pu, mais c'est dur du coup. Bah pas spécialement parce qu'on a quand même bien tenu, 80 kilos de plus, on pouvait vraiment pas faire grand chose. Je pense que la compétition va commencer maintenant. Face à face avec les autres équipes qui seront un petit peu plus à notre niveau. Allez, ensemble, tranquille, marchons ensemble. Ensemble, voilà. Allez, ensemble. Allez. C'est bon! On a gagné, mais je nous ai trouvé nuls à chier sur le tour. On a été glissé en même temps. Bah, on a glissé, nos positions elles étaient moyennes, on était pas trop ensemble. Bien joué quand même! La prochaine, les gars! C'est la bonne, ouais. Merci, mon pote! Merci! Mais ouais, bon voilà, après on va essayer de s'améliorer sur les prochains tirs. L'important c'est qu'on gagne, mais si on peut faire mieux, on va essayer de faire mieux. Allez! Voilà! Allez encore! Il reste un mètre encore! Allez, 50 cm! 50 cm! Allez! Voilà! C'est toujours un petit peu frustrant de perdre. Surtout, il y a des équipes qu'on se dit qu'on aurait pu gagner et qu'on n'a pas pu les gagner. Donc c'est toujours un peu frustrant. Maintenant, on est quand même dans cette optique de ouais, c'est l'apprentissage et qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut à chaque fois, que ce soit la prochaine fois ou les autres. Et moi, j'ai trouvé ça mieux parce qu'individuellement, j'ai trouvé que quand quelqu'un est en avant, individuellement, il sait tout de suite de se remettre en arrière. En position. Donc, déjà, il faut voir aussi les choses positives. On est là pour progresser aussi. Hein. Comme tu disais, on a l'habitude de tirer contre les braves qui sont en face de nous, en club. Là, on tombe contre des bons. Donc, effectivement, apprenons quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. C'est ça. Maintenant, je suis sûr que contre ceux qui pourront, on arrive à faire des petits pas. Pas les grands pas qu'on fait, mais des petits pas, je suis sûr qu'on doit y arriver. Faut rester bas et faire des petits pas. Parce que là, le premier tir, là, on n'aurait pas dû le premier. Hein. Il nous restait combien, 40 cm. Ouais. Ah oui. Le premier tir, on devait l'avoir. Et le départ du deuxième tir, on l'a fait bon aussi. Hein. Ouais, mais Dodo, il faut vraiment que tu sois sur l'arrière. Toi, t'es sur l'avant. Les gars, on est pas loin. Hein. On est pas loin. Ton poids, il faut le mettre sur l'arrière. On est allé attaquer le deuxième tir. Je pense que. Take the strain. En général, tu peux pas trop mentir là-dessus. Hein. Parce que la force, c'est vraiment quand tu te tends, c'est la force brute en fait. Et les mecs, ils auront beau s'allonger ou quoi, s'ils sont moins forts, on va le sentir, nous. On le sentira. Si tu forces avec les jambes, souvent c'est ce qu'ils nous ont dit à l'étranger, c'est que vous tirez avec les bras, mais non, faut pousser sur vos jambes, c'est pas une traction en fait, c'est vraiment vous pousser pour partir en arrière. Allez, on le glisse pas, mais tout sur la jambe droite. Tous sur la jambe droite. Allez, reste encore 40 centimètres. Allez, le dernier effort. Allez, mettez, jetez-vous. Jetez-vous! Et bah, ça, c'est ce qu'on a appris. Donc, on fait pas mal d'exercices type squat. On essaye aussi avec des poids de travailler nos jambes, etc. Du cardio, du coup, pour avoir quand même une condition physique, une endurance. Vous êtes allé la chercher celle-là, c'est bien! À l'étranger, on pourrait assimiler ça à du professionnalisme. Les mecs, ils s'entraînent 3 voire 4 fois par semaine. Nous, on est à 2 fois. Ne pas toucher la corde.
Après, bah, c'est pareil, chacun a son métier à côté, on n'en vit pas. Ça se vit pas non plus aux professionnels, ça reste un sport loisir. Soufflez. Et on a le bon côté, attends. Et oui, il y a une rigueur d'entraînement qui est plus importante chez les les pays limitrophes à la France, on va dire, hein, que ce soit Belgique, Suisse, Pays-Bas, Italie aussi, où ils sont vachement en avance par rapport à nous quoi, là-dessus. Allez, on se récupère les gars. C'est la guerre les gars, faut y aller. Hein. Allez, hein, super, super, super. Bravo, franchement. Et on est patients, hein, soufflez. Allez, patient, les gars, c'est dans la tête. Hein. Soufflez les gars, prenez le temps de boire. Restez là, restez là. Oh, on vous demande de changer de côté. Mais les coups, c'est ça qui compte. Allez, les gars. Allez, les meufs. Allez, on y va, on y va. Et Jean-Luc, tu vois pas, mais. L'arbitre va baisser les bras, tu pars en arrière et t'essayes d'envoyer pour reculer le plus possible dès le début. Maintenant, tu vois, enfin, si les équipes sont à peu près similaires, on va le sentir juste avant de partir, en fait, on va reculer, on va se dire « Ouh là là, attention, il y a de la tension ». Et là, on va se regarder, on va rester bloqué en face à face et en fait, on force, mais c'est plus de l'observation. Tu temporises et tu vois du coup ce qui se passe en face, s'il y a une défaillance ou pas. Allez, on bouge là! Allez, à côté du volet! Allez, les gars! Voilà, ça va venir, ça va venir! Allez! Allez, on y va! Allez, encore! Super! Ça, c'est bien! Encore! Si t'es moins fort, eh ben t'attends. T'attends et t'essayes de les user physiquement. Allez, allez pas, le pied droit! Les jambes, hyper important aussi, parce que c'est là où tu as toute ta puissance en fait. Remets-toi bien. Remets-toi bien. Putain, faites quoi? Merde, c'est pas nous. J'ai pas fini. Putain. Quoi, ça a lâché? C'est le coup de sifflet qui nous a blessé. Mais non, mais s'en fout. Putain. C'est moi qui vous dis si vous... Prenez la corde. Putain, faut pas, vous pas avoir pas les coups sifflés là, c'est dans la tête que vous avez lâché les gars là. C'est dans la tête. Putain, mais c'est pas vrai. On l'avait là. On l'avait. Attention, on va remettre la corde à place quand vous avez fini un tir. Oui. Attention, parce que ça commence à bouillir parfois. Attention. Bien reçu. Bien reçu. Hein? Bah ouais, d'accord! On a perdu! Regardez l'état de la fille! Regardez l'état de la fille, les gars! Il faut que moi, ouais, mais non, faut pas lâcher la corde! Ouais, les gars, lâchez la corde! Vous gueulez quand les autres lâchent la corde! Lâchez pas la corde! Ça va? Même si vous êtes embarqué, lâchez pas la corde! On est parti sur le côté et puis on a lâché la corde, donc devant ils peuvent pas retenir et puis derrière nous. Donc dans le milieu, on a dû merder un peu. Oui, on était à 1 mètre de la victoire. C'est comme ça, c'est le jeu. On travaille les départs. Parce qu'on a deux filles qui viennent de Bretagne, qui sont intégrées dans notre équipe. Donc elles n'ont pas l'habitude de tirer avec les. On les met sur la corde et on fait les départs. On travaille les départs et leur position. On corrige un peu au niveau du position. Parce qu'il y a une discipline cet après-midi. Il y a les mixes, donc 4 gars, 4 filles. L'endurance, la résistance, allez. Jusqu'à la satisfaction suprême de pouvoir effectivement emporter l'équipe adverse. Ça va. Ils sont champions. Bonne montée d'adrénaline, elle est vraiment cherchée à être en cohésion rapidement finalement. Mais c'était réussi.
surprise de réussir. Ouais, d'apprendre des nouvelles techniques en si peu de temps et de direct accrocher et partir et pas avoir de problème à accrocher dedans. Quoi. Ouais. On est content, on a intégré deux filles, tu vois, qu'on connaît pas. Et ça se passe super bien. Donc osmose, c'est vraiment le terme. On vient pas ici en figurant, quoi. On voudrait monter de niveau globalement. On veut donner une prestation. Et on veut pas juste finir dernier à chaque fois et y aller pour boire des coups et voilà. Les aînés de notre club nous ont aussi aidés à incarner cette vision des choses parce que eux aussi, on sent qu'ils ont envie de travailler. Ils sont souvent là présents, voire tout le temps aux entraînements. Et c'est eux aussi qui nous encouragent à donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous aussi, on les encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Facile. La rigolade. Là, on a mis un peu de dope, c'est bon, ça marche. Dis-le pas, attends. Oh, pardon. C'est bien, là, on a peur. Vous avez, ouais. Vous avez vu l'arbitre comment il fait? Ouais, il part vite. Ouais, il part vite, hein. Donc, à vous d'être vigilant sur l'arbitre. Hein. Et dès le départ. Voilà. Dès le départ, on les emmène en avant et on tire. Allez, on va les saluer. On va saluer les adversaires. La participation est pas mal parce qu'il y a deux équipes en demi-finale, la Mix et la 640. Donc on est bien parti. Maintenant, faut rien lâcher. On va au bout. Après, on doit mourir sur la corde. C'est pas un problème, ça. C'est une image. Ah, donc motivé à balle. On a dit qu'on devait mourir sur la corde. Pas de problème. On donne tout. Donc on y va à fond. On lâche rien. On lâche rien jusqu'au bout. Hein. Et on sera bien content ce soir de ne pas avoir lâché la corde. On est d'accord? Ah oui, un peu. On n'était pas là pour faire de la figuration. Non, mais l'écart de poids, il fait quand même pas mal. Donc là, tu avais un écart de poids de 80 kg, donc ça fait moins un bonhomme de plus. Vous avez essayé de changer de stratégie? Oui, on a pris plus un peu la stratégie des Basques. C'est-à-dire qu'on verrouille la jambe gauche, donc on pousse avec la jambe droite. Et quand on pousse, on glisse la jambe gauche qui reste toujours verrouillée dans l'axe du corps. Toujours que le corps soit verrouillé. Et au niveau, quand il pompe, nous on fléchit et on revient. Mais les pieds, normalement, ils ne bougent pas trop. Quoi. Là, ils nous emmenaient un peu avec la différence de poids. Mais autrement, c'est pas mal. Bilan positif, malgré tout. Oui, ça reste toujours positif. Forcément, un petit peu déçu, on aurait aimé tout gagner. Maintenant, on finit pas dernier, donc on considère que c'est déjà ça. C'est encourageant, c'est un petit peu frustrant forcément sur le coup,
Mais pour la suite, c'est assez encourageant. Et puis la défaite, ça fait partie de l'apprentissage. Donc nous, bah, on apprend beaucoup. Allez, là, on monte un petit peu plus le temps. On va passer maintenant au final. Ah bon. À l'année prochaine. Qui ne saute pas de pas breton.